It's just a public service announcement sponsored by Just Blaze and the good folks at Rockefeller Records. Fellow Americans, it is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living test. Salut tout le monde, aujourd'hui pour l'épisode 16 du mode joueur sur NBA 2K13. Et on va affronter donc les Houston Rockets en match clé. Donc j'espère que d'abord le bonus vous aura plu. Ça j'espère pour vous. Donc je suis maintenant au Jazz, donc au Heat. Ça je vous ai expliqué dans le mode. Dans le bonus. Donc si on résume dans l'ancien épisode, donc je suis participé au All-Star Challenge. Donc j'ai donc, dans la série de 4 victoires. Donc j'ai participé au concours de Dunk, après j'ai été drafté au Jazz. On a eu donc 5 victoires d'affilée en super match au Knicks. Ils m'ont foutu la haine. J'ai gagné contre Jazz, contre les Pistons et les Oklahoma. J'ai battu les Memphis et on a battu les Knicks. Et maintenant on s'attaque aux Houston Rockets. Enfin, mais avant, on va un peu s'améliorer. Donc, vous pouvez voir un peu mes stats. Donc, j'ai 50 sur 50 dans mon deck environ, voilà. Ça ne veut rien de monter un plus en deck. Mais. Oh putain, mais c'est cher les tirs à 3 points. Je crois que c'était moins gros, je crois que c'était pas cher moi. Tirage, snap et un bruit. Franchement, je sais pas quoi mettre. Peut-être détente. On va monter un peu l'endurance. Mon niveau de fatigue va baisser un peu moins vite. Et j'ai 20 points, je suis pas mal. Bon, j'ai 92 en endurance, ça devrait aller, franchement. Quoi pour Routineur? Bon, on va lancer déjà le 2, on va lancer le match. Son gros casse. C'est parti! Parce que nos amis les Houston Rockets. Pourquoi il fait ça mon envie, franchement? Franchement, mon envie commence à péter les plombs. Allez, c'est parti. 90 en entente et 61 en pourcentage de popularité. À la base, j'avais 45, je crois. Putain, j'ai pourtant enlevé le flou, franchement. Voilà. On dirait chez Mus qui parle, franchement. Donc j'ai rien à dire sur le fan de puisque ce temps-ci c'est la période du draft, il va sûrement y avoir franchement bientôt. Super, il va y avoir franchement bientôt. Il va y avoir bientôt les drafts, les rookies, première année. Et les drafts des grandes superstars, de grands joueurs. James Harden, oui, c'est un joueur que je vais devoir défendre. Et je suis pas content. Je suis pas content de défendre sur Harden. J'aurais préféré être au mineur de jeu, mais bon. C'est pas que mettre en arrière, mais mettre en arrière. Putain, de vent de merde, va t'enculer, vent de merde. Voilà. Deux petites secondes. C'était pas bon la caméra. Voilà, regarde dans le noir pour jouer au basket, c'est bien ça le noir. Slenderman va arriver. Donc, ton défenseur Harden qui est un tireur aussi à 3 points, comme moi. Tom Brooks, hein, aussi. Non. Sans rebond. Le rebond qui est parti trop loin de moi. Williams qui veut faire un petit détour. Voilà, ça je m'y attendais, ça, franchement.
Ah ouais. Ah ouais, tu es défendu sur moi. Mais c'est pas possible ça. Franchement, je comprends pas. Franchement, là perso, je comprends pas. J'ai un A moins, ça rentre pas. Vous allez voir, après je vais faire. Regarde, regardez. Je vais vous montrer un shoot. Hein. Désolé les gars, je peux pas. Regarde, 3 points, A moins. Là ça rentre. Peut-être qu'il faudrait que je m'achète la capacité de tirer inébranlable. Ou que je me. J'augmente un peu. Que j'économise beaucoup de points pour tirer à 3 points. Déjà, je dois utiliser pour un petit dunk qui me plaît. Qui s'appelle le moulin à vent athlétique. Non, mais. Oh oui! Fais-la moi! Mais apprends à faire une passe après tu joues au basket. Apprends à faire une passe après tu pourras peut-être jouer au basket. Parce que là, franchement, tu aurais pu me la faire correcte. Je sais, je suis parti en contre-attaque, je rage comme un porc. Voilà, Williams, hein, qui va toujours dans l'endroit où je dois aller. B, là, ça rentre. Voilà, voilà, un B, ça rentre. Un A, moi, ça rentre pas, voilà. Je sais pas pourquoi. Ah là 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 là. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est pas une bonne... Voilà, Williams qui va... Voilà, Williams, hein, mais oui, fais-moi une passe maintenant que je suis en 3 points. Là, j'ai tenté une petite prise à 2, non ? Non, pas de prise à 2 encore ? Ah, vous n'êtes pas encore assez épaté ? Oh là là, oh non, ça va reprendre comme le match avec contre les New York Knicks. Oh non, où je fais des passes, il marque pas. Ça va, le rebond, vous prenez des fois ? Ah ouais, Williams, ok, d'accord, je retiens. Quand je vais pas au rebond, t'y vas pas, mais quand j'y vais, ben t'y vas. Mais oui, c'est logique. C'est tout à fait logique. Alors, il me prend sur moi. Il me prend mieux. Quoi? Il a pas touché le cadre. Mais c'est du gros foutage de gueule, là. Il a même pas touché le cadre. J'avais un bon tir à 3 points, j'avais tout qui était bon, mais non. Non, mais vas-y, hein. Moi, j'ai pas touché le cadre, hein, oui. C'est vraiment étrange, quand je suis en vidéo, ça m'arrange pas, surtout ne... Voilà, allez-y. Quand je suis en vidéo, je me fais complètement violer, mais quand je suis en hors caméra, ben, je fais des matchs complètement extraordinaires. Là, Harden a tiré, personne n'a essayé de sauter pour tenter un petit contre. Mais j'en ai marre, putain! C'est pas possible! Je suis en train de crier, je sais, mais là, franchement. J'en peux plus, franchement, perso, là. Je fais des shoots à 3 points, normalement, ils rentrent. Et boum, tiens, toi, allez! Tiens, Harden, sur la tête de qui? De Asik, je crois. Ouais, je trouve, ouais. Non, je trouve c'est Asik. Non, c'est pas Asik. Non, c'est qui numéro 25? Oui, c'est une honte pour moi. J'ai joué dans les Rockets, mais je connais pas les joueurs, franchement. Mais j'ai préféré les oublier. Mr. Robinson. Mr. Box. Mr. Robinson. Prenez le rebond. Passez-le-moi, bordel! Mais passez-le-moi mieux! On passe à moi. Et un deuxième. Sur la tête de Harden Dasik. Oui, je demande peut-être des passes, mais quand je suis trop loin, c'est vrai. Il ne peut pas me passer bien correctement, ouais, peut-être. Hein, mais c'est comme ça, hein, un arrière doit scorer et non faire le reste. Putain, j'ai bien sauté et tout. Mauvais appel, mais je suis démarqué tout seul, regarde. Je suis démarqué, il va me la faire ou pas? Ah ouais, je suis à côté de lui, franchement, je suis à côté de lui, mais... Ah ouais, t'es à côté de moi, mais en fait, non, je sais pas quoi faire. Et là, franchement, là. Franchement, ça, c'est de l'abus de pouvoir, franchement. Parce que là, il était tout seul sous le panier. Je sais pas, il aurait pu faire un petit tir. Il a pourtant les capacités pour faire ça.
c'est un pro, j'ai les capacités. Ah ben non, il a pas pu. Franchement, il a pas pu le faire, donc il a préféré faire une passe à un joueur pour m'empêcher de faire une passe décisive. C'est gentil, moi tu me faisais une passe comme ça, moi je te marquais, hein. Je me dunkais, franchement. Mais arrête de bouger, franchement. Franchement, j'aime pas, moi, dans le basket, c'est que il y a des gens qui mesurent 1m65, 1m70, ils sont meneurs de jeu, mais ils courent comme des pucerelles. Voilà, sur la tête de Jeremy Lin. Bon, on va se calmer, calme-toi. T'as fait 50 matchs avant, t'as ragé sur tes 50 matchs, mais c'est pas grave. T'en fais pas, Vincent, t'en fais pas. Tout va bien. C'est pas grave, on a un panier, mais... deux bits, mais c'est pas grave. Hop, oh là, donc on a un petit peu dans le dos. On recule, voilà, ils vont sortir. Là, prise à deux. On repart en prise à deux de l'autre côté. Et je ressors sur Nicholson. Et le dunk. Encore un 3 dunk. Pas vraiment magnifique, mais c'est grâce à ma capacité. Franchement, je peux faire des dunks et me faire beaucoup plus de points. Grâce à ma... maintenant que j'ai 50 sur 50 en dunk sans élan. Qui, franchement, est... ça, c'est pas des dunks extraordinaires, mais... ça a assez bien des dunks, là, franchement. Non, sans élan. Oh là là, c'est qui, lui, là? Donc, ils ont sorti Harden, déjà. Oh, c'est bon, là. Putain, mais c'est quoi, mon joueur? Il est chaud patate, là, ou quoi? En premier carton, j'ai rien fait, franchement. Aucun rebond, aucune passe décisive, que des points. C'est la victoire qui compte. Allez, dernière action, la dernière action. Elle est pour nous. On va plus bouger le cul parce que là. Yes, tiens, dernière action. Dernière seconde. Jazz 21-16. Premier carton, c'est pas mal. Voilà, le fameux time que je vous avais montré donc dans le. Dans le vidéo. Je suis perdu, match bonus numéro 2, voilà. Le premier c'était face aux Lakers. Même si vu que le premier vous avez pas trop aimé, mais j'ai pu faire un. De plus! Donc vous avez vu ma tête, hein, j'ai mis les 13 de Bob Marley, voilà. Et après, pour les playoffs, je mettrai spécialement un bandeau. Un bandeau NBA, spécialement. Et voilà, voilà, ça c'est Williams, c'est Williams, hein, c'est plutôt Mo Williams, ça. Dominé sous le panier. Ok, c'est pas mon joueur, non. Ah mais c'était pas mon joueur, hein. C'était le joueur de mon partenaire, mais comme là, oh putain, si lui il avait loupé sa réception, j'aurais buté, franchement. Quoi? J'avais même pas le ballon. Mais c'est vraiment du... c'est vraiment... l'arbitre, c'est vraiment... ils avaient vraiment la haine contre moi. Counter avec ballon. Mais non, mais c'est moi qui a fait une paire de balles, franchement. Franchement, c'est moi qui ai fait une paire de balles alors que j'avais pas le ballon. Ouais, ouais, c'est logique. On va reculer un peu, parce que là... Wow, tiens. Bien joué, hein, Lusop, qui a repris mon ballon, que j'ai complètement loupé. Merci. Même si j'ai un A moins, ça rentre pas, c'est logique. Je sais pas, peut-être, dites-moi comment il faut faire pour que votre jauge, une des jauges jaunes là que j'ai, parce que je suis trop loin du panier à ce qui paraît. Je sais pas si vous montez la force ou le tir à 3 points. Ah ouais, d'accord.
J'ai 70-75 en triple. Comment je peux perdre une balle? Comment? J'ai augmenté ma lucidité offensive pour m'empêcher de perdre des ballons. Comment je peux faire ça après? Regarde, prise à deux déjà. Franchement, prise à deux. On est qu'au premier quart-temps, je suis qu'un joueur normal et ils me font déjà des prises à deux. Franchement, il y a pas de honte là. J'ai deux paires de balles. Non, mais. Mais bien sûr, en plus, tu montres sa détente, normal. Mais... Attends, mais j'ai déjà deux paires de balles, c'est pas possible ça, franchement. Je fais genre que j'avance, je me fais un petit pas de décalage et je tire à 3 points. En fait, pour moi, là, c'est encore de la chance de tirer à 3 points. Même si j'ai fait le camp d'entraînement de Larry Bird qui t'augmente pour les tirs en suspension, donc je tire à 3 points. Et celui de Michael Jordan que j'ai complètement ma console à planter et ça a fait une sauvegarde automatique. Ça, c'est tout à fait gentil. Qui sait? Tire à 3 points. Voilà, je suis donc sur le côté droit. Droit. Oui, je suis sur le côté droit. Je tire à 3 points, mais en fait, ça rentre pas. Putain, mais pourquoi il a fait une passe en hauteur celui-là? Hop, petit peu de décalage. Fade away. Promets, à la fin du match, je vais craquer, je vais haïr cette équipe. Et allez, mais surtout, c'était pas mon joueur, mais oui, je sais que vous aimez me voir rager, Franchement, il y a quoi là? De une, c'était pas mon joueur, et de deux, tout le monde me bloquait. Là, la prise à deux, évidemment. Mais c'est quoi ça? Non, ils ont pas le droit de faire ça. Ah non. Non, c'est interdit, hein. Le mec, il me saute dessus, hein. J'arrive. Heureusement qu'il l'a gagné. Bah non, franchement. Tiens, dans ta gueule, Jérémy Lin. Connard. Tu détestes, toi. On va te pendre. Dans le jeu, hein. Sur tous les rebonds, vous savez les prendre des fois, les gars. Alors, on va voir performance. Non. Stat équipe. Alors, non. Voilà. Alors. What? Ah, j'ai entendu un seul bruit, franchement. Ça m'a fait peur. Hein. Ça m'a fait vraiment peur. Donc, Millsap 5 rebonds, je les ai pas vus. William, c'est pas son terrain. Franchement, c'est moi le marqueur de l'équipe. Voilà. On va faire un peu jouer les coéquipiers là parce qu'ils jouent pas beaucoup. Hein. Mais comme j'ai dit, maintenant, je tente pas des pas décisifs tout le temps. Je joue au feeling, c'est-à-dire que si je suis en position de marquage, je tire. Si je suis en position pour faire une passe décisive, je fais une passe décisive. Hein. Okay, mon joueur, il a fait 5 rebonds, quoi. J'ai 5 sauts, mais il n'a même pas été capable d'en prendre un. Non, mais c'est dégueulasse! Ils étaient 3 encore, 3! 3 sur un rookie, mais c'est... Mais c'est un grand bang, ça! Franchement, ils étaient 3 sur un petit rookie. Voilà, il y a faute là, franchement. 3 sur un rookie. Ils ont pas honte. Puis on approche des playoffs. Peut-être qu'ils ont la rage envers moi parce que je les ai quittés très tôt. Et j'en suis fier. Non, mais ces B- ça rentre, franchement. J'ai des B- normalement, ils rentrent. Hein, ouais. Ok, maintenant c'est du bon quoi.
Oui, tu aurais pu prévenir quand tu tires à 3 points, toi. Franchement, il a un timing trop rapide. Ah ouais. Ah ouais, franchement. Voilà. Lui, il a voulu s'interposer. Voilà, encore un entre deux, évidemment. Franchement, le mec d'un mètre 60 qui fait un entre deux. Oui, mon joueur est très réactif, ça se voit. On dirait que je lag, franchement, on dirait que je suis un multijoueur perso. J'appuie sur Y pour qu'il saute, hein, mais non, je sais pas. Voilà, personne n'est au rebond, évidemment. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne plus maintenant. Leader du championnat, je suis leader devant Carmelo Anthony. Oui, j'ai marqué 39 points, ouais. Oui, je marque probablement 40 points. Franchement, oui, je marque 40 points, c'est en 6 maintenant. Car c'est le rôle d'un arrière. Je vais expliquer. Donc dans les Twitter, dedans, ils nous disent pense à prendre plus de rebonds, fais la passe, machin. Ça c'est le rôle d'un meneur de jeu. Je suis arrière. S'ils me prennent comme ça, mais dans le prochain NBA que je vais acheter, parce que principalement ça sera dans. J'ai précommandé vers septembre, voire octobre. Ouais, plus vers octobre. Peut-être c'est en début novembre. Ouais, peut-être septembre. Commander 2K14. Donc NBA 2K13. Je crois pas que je vais l'acheter. J'hésite entre NBA 2K13, NBA 2K14 et Watchdog. Franchement, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez que j'achète le NBA 2K14 ou le Watchdog, en fonction de vos avis, je verrai. En fonction de vos avis, je ferai peut-être même un vote Pixel. Donc c'est pour les votes. Et je mets le Watchdog, quel jeu voulez que j'achète. Watchdog ou NBA 2K14. Voilà, une prise à deux. Il passe où la balle? J'ai quand même perdu la balle des yeux. Allez, Williams, tu me l'as fait mieux. Oui, j'ai pu dunker les trois fois. Il s'est passé n'importe quoi là dans ma tête. Williams, il me fait la balle, ça me fait un mauvais appel, il loupe sa passe, je réceptionne la balle. Ça me fait pas de perte de balle, heureusement. J'ai tenté là, franchement vous avez vu, j'ai tenté de réceptionner un peu le ballon. Voilà, là ils vont être 3 sur moi. On se retrouve avec la prise à 2 qui passe. Et moi je vais dunker avec autorité. Je devrais m'appeler Dunker si franchement. Donc je ferai ce vote pour vous. Franchement, je ferai ce vote donc, sur Pixel. Et si vous voulez donc mettre en commentaire un vote, si vous voulez le dire en commentaire, on veut tel jeu, je serai de votre avis, hein, franchement. Par contre, il faudra aussi je ferai un autre test après en fonction du jeu. En fonction du jeu que vous choisirez, si vous voulez donc à sa sortie ou un peu après. Ça sera en fonction de mon argent poche. Hein. En fonction de ça. Je vais encore me faire un tir à 3 points. Alors je peux aller dunker. Et vous. Encore un. Franchement, vous avez loupé donc la loupe que j'ai fait à Burks et que lui m'a fait. C'était quand même magnifique la loupe. Et merde. Putain, mon objectif dynamique. Ce match est trop serré. Mauvais appel, mes fesses. Petit clutch qui passe. Easy. Ouais, j'ai déjà 35 points, franchement. Quand je suis comme ça, je peux tenter des passes décisives. Me dire, ouais, allez, on va faire quelques passes décisives. Oh non, il m'a doublé. Putain. Voilà, donc, comme j'ai dit, chacun sa merde. Hein. Donc, tu te fais doubler. Hein,
Voilà, hein. Bon, Williams hein, qui ne s'est pas dunké. Hein. Voilà, pas grave, hein. Pas grave, hein. Tout le monde apprend. Hein. C'était quand? Franchement, ce match est serré. Bravo! Bravo, Williams. Le meilleur passeur de la NBA, Mo Williams. Le meilleur preneur de rebond, Mo Williams. Franchement, mais c'est un genre de merde, Williams. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en meneur de jeu. C'est dit. J'aurais dû être meneur de jeu dans la vie. Mais les passes de merde qu'il te fait, franchement. Ah, non, je peux pas passer. Et voilà. Et t'as réussi, on fait un marqué. Oui, quand il y a des prises à deux, j'essaye de quand même de faire. Voilà, je sais plus parler. J'essaye de. Vous allez partir au deux, mais si je peux pas, je tire. Oh là là. Tu quittes Harden 2 secondes, il te place un tir à 3 points. Ah, William, t'es on fire. Franchement, t'es on fire. Toi, on fire. Voilà, le troisième joueur qui vient me faire chier. What the fuck, quand même. What the fuck, hein. Il y a deux joueurs qui font une prise à deux. Je m'échappe de la prise à deux. Et après, t'as le troisième qui vient me faire chier. Et toi, lui, j'ai fait une prise à deux. Une prise à deux. Lui, à faire une passe décisive. Et c'est pas bien que James Harden soit on fire. Bon, il y a le on fire, franchement. Il y a des trucs dans la vie, surtout dans le sujet. Il y a deux, ouais, ça va trop. Oh. Mais c'est pas possible! Mais non, c'est pas une perte de balle pour moi! Mais non, c'est pas une perte de balle! Mais c'est n'importe quoi, mais. Faites une mise à jour, franchement. J'ai hâte pour Fruki 14 qu'il fasse une mise à jour sur ce truc. Franchement, parce que. Franchement, j'ai hâte qu'il fasse une mise à jour. Franchement, remets pause, je vois un coup. J'ai hâte qu'il fasse la mise à jour sur Fruki 14 parce que là, vous avez bien vu, je lui fais la passe, il la réceptionne, malheureusement, il la fait tomber, et c'est sur moi qu'arrive la perte de balle normale. Alors que moi, je m'étais complètement délaissé de la balle. Merci. Et c'est chiant. Franchement, c'est chiant, c'est saoulant même. C'est même saoulant. Je fais la passe, hein. Y'a pas d'autre choix. Donc, un petit pas de décalage. On revient. On suit. Et ça rentre pas puisque monsieur est fatigué. Et personne était déjà parti en contre, il a disparu. Personne qui était donc déjà en. C'est déjà dans notre camp. Ce qui est tout à fait illogique dans le jeu. Non, tu vas pas dans le camp adverse comme ça. Ils vont se rendre plus à deux, ça c'est même sûr. Non, pas de plus à deux sur moi. On retente, hein. Putain, si en plus ton timing est mauvais, c'est fini. Flojotement, putain, c'est tir à 3 points. Mais oui, on te prend davantage, mais oui. Mais oui, c'est même obligé. Franchement, c'est ma faute, là. Je tente encore, mais ça rentre. Ça rentre, je sais pas pourquoi. Il dit, tiens, allez, on va arrêter le calvaire de Vincent, on va lui dire que ce point est marqué. Ah non, putain, j'aime pas quand James Harden est on fire. Oh oui, 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 oui. Non, c'est pas possible. Oui, j'étais en pleine. On dirait que j'étais en train de me masturber. Mais non, 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 pas du tout. C'est pas possible, franchement. Franchement, j'en ai ras le cul. Franchement, j'en ai ras le cul. Que des joueurs comme des joueurs professionnels comme Harden ou Asik qui me demandent une prise à deux sur un petit rookie comme moi. Mais je me demande pourquoi. Merci, hein, merci de me faire une petite feinte, salope. Salope d'Ardenne, hein. Et une sorte, franchement.
Le mec il me dit, attends, je te sors parce que j'ai besoin de toi pour tout à l'heure. Tu me sors qu'il reste 4 secondes, c'est pas la peine. Marc. Marc, bordel de merde. Putain. Et il me ressort, franchement. C'est Favor qui fait la faute et il me sort moi. Non, je préfère pas y aller, franchement. Sinon, elle me fait une prise à deux. Non. Marc, voilà. Petit 2 points. C'est un 2 points, mais c'est un 2 points. Donc, si on les arrête, s'ils ne marquent pas et que j'enchaîne avec un 3 points, ça peut être bon, ça peut être bon, franchement. Mais là, c'est Ardennes, donc ça va être autre chose. Mais non, mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec! Mais c'est pas possible d'être aussi con! Franchement, tu peux m'expliquer. Le mec, il est au bout du terrain, il est limite en sortie de jeu, et tu lui fais la passe! Mais t'as quoi dans le crâne? Franchement, t'aurais attendu, tu m'aurais fait la passe, j'aurais fait un 3 points, et ça aurait allé mieux. Ouais, bon, je me calme un peu, tu vois. Oh putain de merde. Ouais bon, j'aurais mieux, c'est bon, franchement. Ça passe, voilà. Toi, on aurait fait ça tout à l'heure, on aurait peut-être revenu à égalité, on aurait peut-être pris l'avantage ici. Bon, il reste 3 minutes, hein, on est à égalité toujours. C'est assez chaud parce que c'est au Houston. C'est un match clé, donc c'est encore plus chaud. Faut essayer de l'arrêter. Ah, c'est de prendre le rebond. Merci. Heureusement, Jeremy n'a pas pris la balle. Mais ouah, wow, sois intelligent, putain, mais ils sont tous cons dans cette équipe ou quoi? On dirait bien qu'ils sont tous cons, hein. Franchement, dans cette équipe, c'est des cons. C'est des gros cons. Oui, je le dis haut et fort. Vraiment, je le dis haut et fort. Parce que là, franchement, ils ont fait action de merde sur action de merde. Entre Mo Williams qui essaie de passer, mais il ne peut pas passer, donc c'est normal. Il fait la passe à Ward qui est complètement en sortie de jeu. Passe en double panier. Yes! Un point de retard. Oh là 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 là. J'ai fait 0 rebond, mais franchement, j'y crois pas. Franchement. Il prend plus peine pas le rebond. Putain, ils ont un point d'avance. S'ils mettent un point, ce sera donc un 3 points à faire et à rentrer obligatoirement. Sauf si on arrive à arrêter ce tir. Ah putain, ouais. Finalement, il a fait 3, il a fait 2 fins d'affilée, le mec. Passe-la moi, bordel. Mais William, tu sais que t'es une merde, passe-la moi. Passe à ton vrai meneur de jeu, celui-là qui devait être meneur de jeu. Yes, voilà, on a égalité, allez. On y croit. Oui, je suis bientôt aux alentours de 50 points. Et alors. C'est pas en cool. Oui, c'est bon, tu fais la passe. On prend notre temps pour essayer d'avoir la meilleure opportunité possible. Déjà, si tu défends sur moi. Ils vont partir en prise à deux. Je te la fais à Williams qui me l'a refait. Je shoot à 3 points et ça rentre. Ça rentre pas, merci. Bon, on part directement en défense. Et oui, bien sûr, voilà. Parce qu'il m'a fait un petit... Je sais pas ce que c'est. Mais non, pas ballon perdu, pas ballon perdu. Papa. Tire, Marc. Yes. Ouf. Oh là 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 là. Donc là, c'est leur dernière action pour eux. Franchement, je crois que c'est vraiment leur dernière possession. Si après, on a notre possession et qu'on marque à la dernière seconde, et que je marque à la dernière seconde, et on s'est gardé le plus de temps possible pour essayer de marquer. Bon, c'est tout.
tenté de chercher un écran. Et putain, il marque. Oh putain. Alors, j'ai pas le choix, c'est un 3 points. Williams, laisse-moi faire, Williams. Oui! Oh oui, 5 secondes! Marque pas! Ouh, on a gagné! Oui! Oh là là, on a battu les Houston Rockets! Match clé en plus, à moins, plus de 50 points, 6 passes décisives! Franchement, le 3 points de la victoire! Mais c'est beautiful life! Beautiful life! Oh! Oh! J'aurais fait ça en début de carrière, j'aurais mis à côté. Joueur du match, franchement. Ok, franchement, les Houston sont pas une grosse équipe. J'aurais fait le même cri si ça aurait été les Oklahoma Thunder. J'aurais fait le même cri, franchement. Mais, je suis heureux, franchement. Oh, pas de Houston, franchement. En extérieur en plus. Avec un point de différence. Oh putain. Avec un point de différence, franchement, 89-88, je crois. Le match. Mais l'important, c'est qu'on ait gagné. Oh, mais ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien au mental du joueur, franchement, ça fait du bien. Donc, on va voir d'où viennent les points, justement, pour rafler le pactole. Oh putain! 574 points, franchement. Je fais ça aux deux prochains matchs clés et je peux m'acheter un beau gros dunk. Franchement, Samy, franchement, ils ont pas un peu abusé sur le pack de Michael Jordan, 5000 points. Là, on a Kevin, notre FPC, qui vient de se connecter. Notre ami, notre cher YouTuber. Que je dis franchement merci que tu es sur YouTube, sans toi j'aurais jamais été, donc je ne serais jamais assis sur YouTube. Et franchement, je suis content de toi. Bon, pourquoi il a un petit ordinateur à côté de lui? C'est simplement qu'il s'est connecté au Xbox Live via son ordinateur. C'est tout. Vous devez être sur un nuage après avoir marqué le tir qui a scellé la victoire de votre équipe. J'imagine que cela doit être l'un des plus grands moments de votre carrière. C'est un moment très spécial, c'est vrai. Mais oui, ils sont tous contents. Ça fait 37 minutes de vidéo, donc on va voir un petit tour donc pour le statut playoff, encore une fois. Allez voir Twitter. Et puis on se fasse cesser sur ça. Hein. Franchement, plutôt un petit coup Twitter, puis après playoff. 960 000 abonnés, franchement, sur 960 000 fans. On approche des 1 million. J'espère avoir donc les 1 million de fans avant les playoffs. Ça serait bien. Donc nous allons voir donc le Twitter. Alors les Jazz s'en sont sortis, mais de juste être, Vincent nous a proposé un grand match, comme toute l'équipe d'ailleurs. Vincent, j'aime beaucoup la façon de jouer dans cette série. Si tu continues comme ça, vous êtes à l'abri des défaites pour un bon bout de temps. Je parle devant quelqu'un qui va me dire à propos du rebond. Youta. Chris Palmer, donc lui, un coéquipier, je suppose. Vincent, il va en falloir des séances de vidéos si vous voulez avoir une petite chance de nous battre au prochain match. Il me cherche, mec, il me cherche. Franchement, il me cherche. C'est qui au prochain match? Ah, mais c'est un des Spurs, l'équipe de Tony Parker. Si on les bat, franchement... Si on les bat, mais c'est un soulagement, franchement, c'est un soulagement. Et on va aller voir donc, tout de suite donc le statut des playoffs. Ouais, bon, ça bouge pas, je suis sûr. Pour eux, ça bouge pas. Ah, j'ai eu peur, je croyais que Grizzly était devant nous. J'ai vu ça, j'ai dit non, les Warriors. J'ai vu ça, j'ai dit non. Donc toujours troisième la conférence. Derrière les Thunder et les Lakers.
Il y a les Grizzlies qui nous suivent. Hein. On perd le match, on passe quatrième. Hein. Mais on va affronter les Spurs. Les Spurs. On risque de passer de vous en plus, laissez un pouce vert, un commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera donc la prochaine fois donc pour l'épisode 17 du mode bonjour sur le B2K13 et pour un prochain match. Donc j'espère, je vais sûrement faire ça. Je vais vous montrer. Donc je vais faire donc tout ce mois-ci en off. Et on va sûrement se retrouver donc la prochaine fois pour un match face au. Face aux Warriors, ouais, on va se retrouver la prochaine fois pour un match face aux Warriors, peut-être. Je verrai, ou peut-être que je ferai pas de match ici, et je me lancerai directement donc sur le NBA Playoff. C'est aussi un truc, voilà, pour le début des Playoffs. Mais, ciao, peace and love, à plus les gars, bye bye. Tchuss!